Eh bien, salut tout le monde, c'est Lémi Koupa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Pokémon Ultra Lune. Et donc voilà, on va au centre Pokémon et on va essayer d'avoir notre petit Loup-Garrock spécial, comme je vous l'ai dit au dernier épisode. Je suis moi, nanana. Bon, clairement, les dialogues, je vous dis qu'on s'en fout un peu parce que c'est clairement les mêmes que Pokémon Soleil et Lune, donc on s'en fout des dialogues. Voilà, on s'en fout, hein. Et puis même, vu qu'on s'en fout des dialogues car ils sont pareils, bon, à part pour l'Ultra Commando, ça ce n'est pas pareil parce qu'ils sont nouveaux. Et aussi, il y a quelques dialogues nouveaux, mais ça, on les remarquera quand on y sera, parce que c'est pas pour le moment les nouveaux dialogues, hein. Je pense que ça sera plus vers le milieu du jeu, ou juste peut-être au prochain épisode, ou dans l'école des dresseurs, oui. Et voilà. Donc, notre Loup-Garrock. Ah, allô là, vous devez être Lémi, j'ai reçu un cadeau pour vous. Oui. Allez, on a le Rocabo spécial. Donc aussi, on va soigner notre équipe. Qu'ils sont soignés ou pas, je m'en fous. Je préfère pas prendre le risque là parce que hein, c'est chaud. Allez. Et puis vu que la moitié des dialogues, ouais, comme je vous l'ai dit, sont pareils que Soleil et Lune, donc au moins ça va être un peu mieux comme ça, moi, ça va être un peu plus rapide pour tout simplement l'aventure du jeu, ça va être un peu plus rapide et ça c'est cool. Voilà les codes des dresseurs. Mais que se passe-t-il? Un Tauros! Je crois que ce brave Tauros bloque le passage. Nous nous rendons juste à l'école des dresseurs. On s'en fout de lui. Je me demande ce qu'on va trouver à l'école des dresseurs. Eh ben, on va trouver des dresseurs dans une école. Logique, hein. Motisma, tu la connais ou pas? Voilà. Encore les mêmes dialogues, hein. Et franchement, dites-vous que si je fais ce jeu-là en let's play, c'est vraiment. Pas parce que j'ai envie, hein, mais vraiment plus parce que tout simplement il y a quelques trucs en plus. En plus, bon, ce n'est pas choquant, vous êtes au courant. Ça fait quand même 2 mois que vous êtes au courant. Parce qu'il y a l'ultra, bon, l'ultra commandant, ça on est au courant, mais surtout parce qu'en fait, quand on termine le jeu, on pourra aller dans l'ultra brèche. Et donc, dans cette ultra brèche là, on pourra avoir. On pourra essayer d'avoir des légendaires, donc d'en attraper. Mais des légendaires d'ancienne génération. Et aussi, bah, tout simplement, il y aura les anciens méchants des anciens jeux Pokémon. Genre, il y aura Giovanni, il y aura Arthur de la Team Aqua, il y aura Max de la Team Magma, il y aura. Merde. Il y aura Helio de la Team Galaxy, il y aura Geettis. Et il y aura Lysandre qui est dans Pokémon X et Y. Qui est prévu dans. Oh putain! Ou c'est pas près d'arriver, ça je peux vous le dire. C'est pas près d'arriver la 6e génération. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est pas près d'arriver là. Enfin, ça pourrait arriver, hein. Je dis pas près d'arriver parce que j'ai pas le jeu, mais ça peut arriver à tout moment. Dès que j'ai le jeu et qu'on termine cette série et j'ai le jeu, dites-vous que Pokémon X pourra arriver à tout moment. Dites-vous juste ça. Allez, on va essayer pour avoir des petits pokés. Car au moins après quand je vais faire les essences miracles de mon côté, ça va être un peu cool. Un peu de beaucoup d'ailleurs. Et en même temps, on remplit un peu le Pokédex. Gamin? Oh! Un combat! On le fait ou pas? Enfin, on est obligé de le faire, oui, mais. Ouais, vas-y, on va le faire. On va éclater son Pokémon de toute façon, alors. Allez, Flamèche. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours malade. Hein. C'est magnifique.
Flamèche. J'ai mal au cœur. Bon, bah, au moins il est paralysé. Allez. C'est bon, t'es enfin mort. Allez, enfin. Oula. Tiens, attends, d'ailleurs, je vais voir, il est au niveau combien le roi Cabot? Car ça, je le sais pas. Oui, on s'en fout. Ah, bah c'est bon, j'ai la place festival maintenant. Et le scanner QR code. Je pense que je vais l'utiliser dans pas longtemps, voire même juste après cette vidéo. Alors, ah, il est niveau 10, Rocabo. Ah, d'accord. Bon, bah ça sera mon deuxième Pokémon utile, hein, pour le début du let's play. Par contre, faut que j'essaye d'avoir un Pichu. Mais obligatoirement, faut que j'essaye d'en avoir un. Non. Ah, j'ai oublié les élèves qu'on... Ouais, donc voilà la deuxième élève qu'on doit combattre. Ah non, elle nous donne un vif griffe. Tu voulais pas te combattre, toi, dans Pokémon Lune? Bah, à moins que c'est une de... C'est peut-être ta sœur. D'accord, on n'a pas le droit pour le moment. C'est sympa ça. Vas-y, elle. Ouais, elle veut se combattre. Tant mieux. Allez. Allez, un type plante et un type sol. Je pense qu'il est de ce type-là, Manzai. À cette heure-ci, il est tellement pas ce type-là, mais bon. On garde Flamiaou dans le doute. Ouais. C'est chaud, là. Ok. Ok, là on soigne. Là on se soigne. Ah, mais soit on se soigne, soit on l'échange avec Crocab. Non, on se soigne, on se soigne. Même si c'est pas un Nuzlocke, hein, je m'en fous, j'ai envie qu'on reste avec Flamiaou. Même si c'est pas un Nuzlocke. Hein? Genre il pleut à verse. C'est grave. Fléau. En plus, on n'est pas prêt d'avoir des rappels. Donc là, juste après ce combat, faut qu'on aille le soigner. Hein. Enfin, faut qu'on aille soigner tous nos Pokémon. Même s'il y en a qui servent à rien. Allez, morsure. Tout ce qu'il aurait pu gagner en XP. Ah, c'est dommage. Faut qu'on aille le soigner. Oui, je m'en fous, petite. Allez. Ah, maintenant faut aller à l'intérieur de l'école. Quoiqu'après, on n'est pas obligé d'être à l'intérieur. Ouais, il est déjà 21 h. Choqué. Choqué, déçu.
Ok, donc on va changer l'ordre. Allez, Rocabo, tu vas à côté de Flamiaou. Ah non, il fallait juste être ici. Bon, bah on va à l'intérieur cette fois. Tu veux pas te battre, t'es sûr? Ok, t'es sûr. Bon, bah attendez, on va dans la classe, on va parler à tout le monde. Mais je m'en rappelle vraiment plus, mais je croyais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'école qui voulait se battre. Y a pas une des deux petites gamines debout là qui veut se... Ah, je me disais qu'il y avait une des deux gamines qui voulait se battre. Au moins une des deux. Allez, la troisième. Génération MDR. Allez. Flamiaou, go! Flamèche! Ça lui a fait très mal. Ça l'a one-shoté sa race. Ça va être vraiment chiant, hein. Quand je pense que je suis obligé de faire ça juste pour gagner pour oh bordel. Ah, merci petite. Allez, ah, cette petite, elle est gentille. Elle, au moins, c'est pas une crevarde comme les autres. Bordel. Fortnite, premier live de l'année. Bah, tu m'étonnes. Oui, quand je tourne cette vidéo, on est le premier. Moi, je tourne. Quand je vous dis que je tourne à chaque fois des vidéos en avance, faut pas me prendre à la rigolade. Là, je tourne cette vidéo, on est le 1er janvier. Donc j'ai envie de vous dire bonne année, même si je l'ai dit dans la vidéo de Mario et Luigi et dans la vidéo de mes futurs projets. Mais bon, on sait jamais s'il y en a qui n'aiment pas Mario et Luigi et qui n'ont pas encore vu. Limite, je vais dire bonne année pendant la vidéo de Kirby qui est sortie, parce que oui, quand cette vidéo est tournée, je n'ai toujours pas tourné Kirby Battle Royale. Quand cette vidéo va sortir là, c'est-à-dire dimanche 7 janvier, dites-vous que je n'ai toujours pas tourné les deux vidéos de Kirby. Donc hein, d'ailleurs je pense que je les tournerai soit jeudi, soit vendredi, je sais pas. Reste à voir, parce que là en fait le truc que j'ai envie de faire, c'est genre par exemple, vu que les cours vont reprendre le 8 pour tout le monde, le truc que j'ai envie de faire en fait, c'est genre tout simplement le lundi, mardi, jeudi et vendredi, je tourne des vidéos Mario et Luigi et Pokémon, et le mercredi, je tourne du Kirby, je tourne deux Kirby. Et j'écris un peu plus sur une feuille pour les miens faux, les théories de personnages, les saviez-vous que, ou la timeline de Zelda. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de date, mais je pense que les miens faux vont plutôt démarrer au mois de février, malheureusement, et pas en janvier comme je le voulais. Et c'est pas parce que j'ai la flemme, hein, c'est vraiment parce que. Le temps que j'écris tout ce que je dois vous dire, que je fais la vidéo et tout, que je fais le montage et tout le truc, voilà. Surtout que quand vous verrez la vidéo, pour vous, ça fera pas beaucoup de montage. Mais quand tu regardes une vidéo, tu vois qu'un youtubeur a pas trop fait de montage, tu te dis, ah mais c'est facile ça, vas-y, je le fais en 2 secondes et tout. Sauf que non. Fais attention, petit malin. Le montage est vraiment plus dur que tu peux le penser. Parce qu'il faut que ce soit bien précis dans la vidéo. Faut que ce soit bien précis et tout. Si c'est pas précis, bah c'est dégueulasse. Et clairement, c'est de la merde. Votre attention, les mi attendus. Je répète, les mi attendus. Peut-être bien, oui.
Ah oui, ah je m'en fous, je l'ai dit dans Pokémon Moon, mais je le redis. Attends, t'es sérieux là? Lily, je suis toujours sérieux. Lemmy Koopa est toujours sérieux, jusqu'à sa mort, il sera sérieux. Et ce que je dis, c'est vrai. Même aujourd'hui, je suis toujours sérieux quand je dis un truc. Oh non, on s'en fout. Allez, elle veut se battre contre moi. Allez. J'ai pas le choix, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Faites attention, hein, parce qu'il y en a, ils vont se dire que le montage, ouais, c'est très facile. Mais comme je l'ai dit, faut être vraiment très précis. Faut vraiment être très précis dans le montage. Si tu n'es pas précis, c'est dégueulasse. Déjà, c'est dégueulasse. Mais en même temps, malgré que tu fais du montage, bah, tes abonnés, ils vont pas trop aimer. Ils vont pas aimer parce que tout simplement, tu vas dire ça, tu vas dire ça, et tu dois montrer une image quand tu dis ça. Mais l'image, en final, elle arrivera une semaine après, alors. Enfin, elle arrivera une minute après. Donc, hein, voilà quoi. Je pense que tu peux comprendre comment ça peut être chiant. Et que ça sera très mal fait. Par exemple, pour preuve, Koopa Koopa, elle, quand elle sort ses vidéos, bon, déjà elle en sort presque jamais. Mais bon, maintenant qu'elle a son téléphone, elle m'a dit une date quand elle va reprendre ses vidéos et ça c'est cool. Et je vous le dirai pas malheureusement, sinon c'est pas drôle. 8 février. Non, je déconne pas, le 8. Le 10. Mais chut, ça reste entre nous. Elle aime pas Pokémon tant que chut. Ça reste entre nous, ok? Merci. Donc voilà, elle, à chaque fois qu'elle fait du montage, si vous regardez ses dernières vidéos, à chaque fois qu'elle fait du montage, eh ben, elle est très précise pour mettre les musiques et tout le truc. Même parfois, clairement, je vais vous... Putain, c'est chaud. Bah vas-y, première évolution au troisième épisode, ça c'est cool. Donc voilà, clairement, quand je vous dis, mais il y a sûrement deux projets que je vais faire. Par exemple, la timeline de Zelda. Eh ben je lui demanderai sûrement de faire le montage pour la timeline et les théories. Je lui demanderai sûrement qu'elle mette pour le montage. Et puis moi, je ferai le montage dès Saviez-vous que et dès les mi-infos. Comme ça, au moins, je vais tourner plein de vidéos de tout et n'importe quoi. Puis après, Koopa Koopa, elle va m'aider pour le montage et tout. Elle va me le faire et tout. Et donc, vu qu'elle va m'aider, enfin, je lui ai encore rien dit, mais voilà, je lui demanderai bientôt. Après, et donc voilà, le truc après, c'est que vous aurez plusieurs vidéos de projet en même temps. Et ça pourrait être cool pour vous. Et aussi un peu pour moi quand même. Yes, Super Bowl. Ah bah, tu m'étonnes que c'est plus facile. Oh, Altéo. Et salut petite tête, je suis... Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a des nouveaux trucs pour les épreuves. Voilà une nouveauté. Donc oui. Donc là, je pense qu'il va falloir être... Va falloir vraiment être... Faut vraiment bien regarder ce qu'il dit. Hein, parce que là, ça va être très chaud. Ding ding dong, l'apprentissage de l'ami est terminé. Donc ouais, vu que les épreuves dans ces jeux, bah, ils sont tout simplement nouveaux. Donc ouais. Bah merci. Si tu trouves des baies, donne-les-moi. Bah, t'as intérêt à me donner de la thune, hein, petite. Montre-leur qui est le boss. Arrête de faire des bêtises. Oh là là, elle veut toujours que je la suis, cette Lily. Elle est grave. Je sais que tu m'aimes, Lily, mais quand même, laisse-moi un peu d'espace. Non, je déconne. J'ai pas besoin d'espace. Elle est très gentille. C'est Lily, tout le monde l'aime bien. Voilà. Hein, on va pas lui dire de se barrer. À part si on est un très gros fils de pute. Oh, j'avais oublié le Tauros. Ah bah, toi t'as peur du Tauros, mais les deux ils en ont rien à foutre. Hein, ils sont contents de le voir. Oh oh oh. Oui, je vais le caresser ton Tauros de merde. Allez, cassez-vous au diable. Allez, caresser sa crinière.
Ross, allez, il va se vénère, il va se barrer. Ouais, je m'en fous. Sinon, je peux avoir ma monture du Dross maintenant. D'accord, je dois aller me faire foutre. C'est vrai qu'on l'a après son épreuve. Ah merde, c'est vrai, le truc de Ekaika qui est trop chiant. Oh non. Ouah. Voilà. C'est quoi ce Tilly? J'en ai jamais vu des Tilly comme ça à l'époque. Oh putain. Et quelqu'un est tout proche. On sent les embruns d'ici. Ah bah t'es très bizarre, hein, Motisma. Tu es très gênant et bizarre. Surtout gênant. Oh, un Ramolos. Une meuf. Oh, un Tilly. Trop bien la mère. Trop bien sa mère, ouais. J'aime faire des blagues de merde. Mais bon, les blagues de merde sont les plus drôles, hein. Répète après moi. Alola. Allez, va te faire foutre. Moi, je suis pas tonton, meuf. Non. Oh merde. Comment il fait pour entendre mes bruits de pas? Mais il est fou. Mais est-ce un... Oh mon Dieu. C'est un complot. Tilly est un putain d'Illuminati, sa mère la Dommage que j'ai pas... Dommage que j'ai la flemme de faire du montage. Là, j'aurais mis une bonne explosion avec le petit œil Illuminati. Oh, ça serait beau comme miniature, en paix. Ça serait pas mal comme miniature. Ouais, non, je vais pas mettre ça. Je suis pas fou à ce point-là, quand même. Ouais, Pokéscope, je m'en fous. Moi, je veux continuer mon aventure pour vite terminer ce let's play, pour faire un autre let's play très cool. Et peut-être un Zelda, qui sait? Nickel! Oh, il est beau ce petit Motisma. Clic clic. Oh. Et dites-vous que cette photo-là, on l'aura dans les crédits. Ou à la fin des crédits, ça dépend, je sais plus. Enfin après, apparemment les crédits de ce jeu ne sont pas comme dans Pokémon Lune, alors on reste à voir, hein. Oh non, il va encore me faire son tuto de merde. Si, je sais m'en servir, mais je m'en bats les couilles. Non, mais Nintendo, sur tous les trucs chiants que vous avez pu laisser, pourquoi vous avez laissé ça, bordel? On s'en fout. Non, casse-toi. Oh putain, en plus, il va vraiment me casser les couilles pour que je le fasse. Et en plus, je dois appuyer sur R. Oh putain. Allez, je m'en fous. Tu assures? J'adore. Joli. Tu assures? J'adore. Oh my god. Allez, je monte le dernier vu que tu l'adores. Et hop. Ma grand-mère habite par là. C'est des fous les gens dans Pokémon. Waouh. Version 2, hein. Vas-y, j'arrête. Ah, je les ferai de mon côté les photos et puis dès que je serai à la version max, je vous montrerai ça en vidéo. Quoi, je suis obligé en plus de continuer? Ah! Alors le Pokéstop, c'était bien marrant. Ouais. Tant mieux si ça te plaît, prends plein de photos. Oh, ta gueule. Oh non, tellement pas. Prenons pas... Oh... Non! Mais pourquoi ils veulent tous me parler? Ils sont pas d'amis ou quoi? Regarde, il y a une vieille qui peut être ton amie! C'est un enfoiré. Bien sûr, je choisis mes vêtements. Oui, je m'en fous. C'est quoi? C'est un truc bien? Ah bah merci. C'est bien pour ma cheminée, tiens.
Mais il n'y a pas de cheminée à Gola. Mec, il est con. Hein? Voilà la nouveauté des épreuves. Ah putain, j'ai pas le droit de le prendre. Ouin. Ouin. Altéo, tu es là, petit bâtard. Voilà, la nouveauté des épreuves, c'est ce petit truc-là. Salut, petite tête. Comme tu peux le voir, je suis en train d'embellir le paysage avec de superbes emblèmes des dominants. Donc voilà, ça c'est des nouveaux dialogues du jeu. Des quoi? Gné? Bah, gné. Des emblèmes, voyons, des emblèmes. Ils forment un petit parcours à suivre pour que les participants autour des îles n'aillent pas se perdre en chemin. Ah là là, heureusement que je suis là pour aider les petits nouveaux comme toi. Malgré tous mes efforts, ceci dit, il y a toujours un de ces voyants de la Team Skull pour me mettre des bâtons dans les roues en décollant mes jolis emblèmes. Ces voyous ont vraiment du temps à perdre. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de faire du grabuge dans le coin. Je ferais bien d'y aller jeter un œil. Sur ce, Lémi, amuse-toi bien à collecter les emblèmes des dominants. Vous décollez soigneusement l'emblème. Vous obtenez un emblème des dominants. Vous en avez maintenant un en votre possession. Ah bah putain, je le savais pas. Hein. Alors là, je savais tellement pas que j'en avais un. Oui, je vois la déesse. Allez, on refait un échange, je veux trop ton psychoquack. On peut changer de Pokémon, on n'a rien de temps avec la connexion rapide. Trop bien. Ok, qui veut faire une connexion rapide avec les Mikoupa? Ça fait plaisir. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après ce truc, bien sûr. Attends, le PC, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est pareil que Pokémon Lune? Malheureusement, oui. C'est de la merde. Bon, et bah, rip. Donc, et bah, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Koopa. Et puis, moi, je vous dis salut tout le monde.